le pouvoir de l'espérance. Vous ne trouvez pas que cette phrase est belle? Pour nous appeler, nous écrire, demander un sujet passé, mais poser des questions également ou faire des demandes de toutes sortes, et nous aurons plaisir à vous accompagner. Le temps passe vite. Nous voici déjà au 8e sujet sur les 15 sujets que nous avons à vivre ensemble. Aujourd'hui s'intitule « Vigilance rouge, risque de séduction ». Nous sommes maintenant habitués avec ce vocabulaire pour prévenir les risques naturels. Quand on parle de vigilance rouge, cela signifie qu'il y a un phénomène dangereux d'intensité exceptionnelle qui est prévu. Et quand on annonce vigilance rouge, chacun doit se tenir régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respecter impérativement les consignes de sécurité qui sont émises par les pouvoirs publics. Jésus met en garde contre ce qu'on pourrait appeler une déferlante, une vague puissante d'arnaques spirituelles qui va s'abattre sur le monde avant son retour. Jésus fait retentir bien fort la cloche, la sirène d'alarme, pour qu'on ne soit pas surpris par cette vague. Nous sommes en vigilance rouge, séduction, d'après la parole de Dieu. Et tout comme nous faisons attention quand il y a vigilance rouge pour risque d'inondation ou de cyclone ou d'autres choses, eh bien nous devrions faire attention quand la Bible nous dit « vigilance rouge, risque de séduction ». Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, Jésus nous met bien en garde contre ce danger. Matthieu 24, d'abord le verset 5. Au verset 5, la Bible dit que Jésus dit « car plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens ». Au verset 11, il reprend le même thème et il dit encore « plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens ». Au verset 24, il revient encore sur le sujet en disant « car il s'élèvera beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Difficile d'être plus clair et plus intensif sur un même sujet dans un même sermon. Comment se préparer, comment se prémunir contre ce risque important de séduction qui menace le monde à la fin des temps? Alors nous verrons quelques points, quelques pratiques à développer pour se prémunir. Premièrement, il faudrait rejeter l'idée qu'une bonne pratique religieuse n'est pas nécessaire. Certains disent « tout ce qui compte, c'est l'amour ». Mais mes chers amis, lorsqu'on lit la parole de Jésus, l'amour se transforme toujours en pratique correcte. Jésus nous fait bien comprendre que l'amour est la base de son royaume, la base du royaume de Dieu et aussi de son Église. Mais l'amour, selon Jésus, conduit à une bonne pratique et à des relations saines entre les hommes. Regardez comment Jésus nous fait comprendre cela. Vous prenez avec moi, s'il vous plaît, l'évangile de Jean. Et nous verrons que dans ces trois textes, Jésus définit le disciple. Mais regardez bien les nuances qu'il apporte à chaque fois. D'abord dans Jean 13 au verset 35. Jésus dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Au chapitre 8, au verset 31, maintenant il dit encore « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous avez observé la nuance? Dans le premier texte que nous avons lu, Jésus a dit « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Dans le deuxième texte que nous avons lu, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, alors on saura que vous êtes mes disciples. » Ensuite, dans Jean 15 au verset 8, Jésus dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » L'amour pour Dieu conduit à une bonne pratique religieuse et nous devons questionner chacune de nos pratiques, chacune de nos fêtes ou de nos célébrations religieuses. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que Jésus faisait ainsi? Ou est-ce que cela est mentionné dans les Écritures?
Ou alors, est-ce que les apôtres avaient cette pratique, eux qui étaient tout proches de Jésus? Tant que nous n'avons pas trouvé la réponse, une réponse biblique et documentée, nous ne devons pas nous arrêter de chercher. Nous devons prier, chercher, creuser. Et si pareillement, nous cherchons, mais nous cherchons de tout notre cœur, comme dit le prophète Jérémie dans son livre au chapitre 29, alors Dieu se laissera trouver. Deuxième point. Nous devons, comme Jésus, nous méfier de la tradition. Et comme Jésus, nous ne devons accepter aucun enseignement qui ne soit basé sur la Bible. Les 10 commandements représentent un guide pratique et simple des relations avec Dieu, mais aussi avec son prochain. Et Jésus refuse catégoriquement que les 10 commandements soient changés au profit de la tradition. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 3, nous voyons Jésus qui répond à des personnes. Jésus leur pose une question. Pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et il leur donne un exemple clair. Il poursuit, dans Matthieu 15, au verset 4, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Jésus cite ici le 5e des 10 commandements. Mais il leur dit, alors que le commandement est clair, simple et clair, « Honore ton père et ta mère », au verset 5, il dit, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Il y a une place aussi pour chaque chose. Il est vrai que chacun doit soutenir l'Église, l'œuvre de Dieu par ses biens, ses dons et ses talents. Mais on ne doit jamais prendre ce qui est destiné à la famille pour soutenir l'œuvre de Dieu. Jésus n'a pas demandé cela. D'ailleurs, la Bible dit même que si quelqu'un n'a pas soin des siens et de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Mais voici des gens qui se prennent et qui disent, de par l'autorité que nous avons, nous changeons le commandement au profit d'une tradition, mais une tradition qui les arrange. Vous avez bien compris cela. Et là, nous comprenons que la réaction de Jésus est sans partage. Jésus dit que si un des commandements de Dieu devrait changer, Dieu l'aurait dit clairement, ce n'est pas à vous. Il s'adresse aux gens. Ce n'est pas à vous. Pourquoi changez-vous les commandements de Dieu? Ces personnes qui faisaient cela, ils faisaient là une tentative de changer un des commandements de Dieu. Un des commandements de Dieu qui ne les arrangeait pas. Mais ils n'avaient aucun texte biblique à disposition pour se justifier. Jésus a constaté et rejeté leur tentative. Ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'il y a des personnes qui adhéraient à cela sans se poser des questions, qui adhéraient au changement proposé entre la loi et la tradition sans se poser des questions. Aujourd'hui encore, il y a des tentatives pour changer certains des 10 commandements de Dieu. Pensez-vous que Jésus aurait adhéré sans se poser des questions? Nous qui sommes imitateurs du Christ, posons-nous aussi des questions sur les pratiques qui nous sont proposées. En quoi ça change les commandements de Dieu? Est-ce que Dieu approuve? La réponse, bien sûr, c'est non, Jésus n'aurait pas adhéré, bien sûr. Car si de son temps, si durant le temps de son incarnation, il s'est manifesté clairement pour tout changement à la loi de Dieu, comme Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien, il n'aurait pas eu une attitude différente. Devrions-nous adhérer aux tentatives de changement des commandements de Dieu? Comme Jésus, disons non. Voici les points essentiels des 10 commandements. Vous pourrez retrouver en détail les 10 commandements dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Premièrement, ou le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne feras point d'image taillée, tu ne les serviras point. Troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. 5e,
commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Et enfin, le dixième, tu ne convoiteras point aucune chose qui appartienne à ton prochain. Chers amis, c'est la responsabilité de chacun de nous de les étudier attentivement et de nous poser la question, de savoir si en quelque part nous les avons rejetés ou si nous participons en quelque part à une tentative de modification de ces commandements que Dieu a donnés. Chers amis, ne laissons personne nous mettre en esclavage. Devenons libres en Jésus, libres de toute tradition, libres du spiritisme, libres des superstitions. Soyons seulement attachés à la parole de Dieu. Prenez le contrôle de votre vie. Lisez directement la Bible afin de goûter à cette parole qui libère. Et le troisième point, troisième attitude à adopter pour ne pas se laisser emporter par la vague de séduction qui menace notre monde, nous ne devons pas être le miroir de la pensée des autres. Jésus a donné une directive claire à ses apôtres en la matière. Jésus s'adresse ici aux apôtres, donc au premier cadre de l'Église qu'il a lui-même fondée. Quelle est la directive claire et précise que Jésus donne au premier cadre de l'Église? Il leur dit dans Matthieu 23, verset 10, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Il faut comprendre ici « directeur » dans le sens de « celui qui montre le chemin, le guide ». On pourrait aussi parler de « directeur de conscience ». Les apôtres ne devaient pas se conduire en directeur de conscience. Ils devaient simplement présenter Jésus aux hommes et aux femmes en les encourageant à avoir une relation intime et personnelle avec le Christ. Les apôtres, Jésus leur a demandé de ne pas être leur gourou, de ne pas être leur directeur de conscience ou de pensée. Il leur a simplement donné le mandat de raconter ce que Christ a fait et de permettre aux gens de communier directement avec lui. Vous savez, même après sa mort et sa résurrection, même quand il est au ciel déjà, Christ a le profond désir de communiquer directement avec chacun de nous. Nous en avons l'exemple dans la vie de Paul. L'apôtre Paul, il a eu une vision de Christ. Christ lui a parlé clairement, Christ s'est révélé à lui. Et de meurtrier qu'il était, il a reçu la grâce de Dieu et il est devenu un apôtre, un serviteur de Dieu. Aujourd'hui encore, la Bible dit que Dieu ne fait pas Dieu est impartial, il aime tous les hommes de la même manière. Dieu ne fait pas de favoritisme. Par conséquent, Dieu peut parler à tous les hommes comme il a parlé à Paul, même après sa mort et sa résurrection. Mais ce qu'il a dit à Paul était conforme à ce qui est dans les Écritures. Quand nous disons que Dieu s'est révélé à nous, ça doit toujours être conforme à ce qui est dans les Écritures. Et l'apôtre Pierre a vécu une expérience qui est rapportée dans le livre des Actes, qui nous montre comment les apôtres se positionnaient par rapport aux humains. Voilà ce que la Bible dit. Dans Actes 10 au verset 25, la Bible nous dit, « Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. » Faites-vous un film de la scène. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, entre dans une maison. C'est la maison d'un homme qu'on appelle Corneille. Cet homme recherche Dieu. Il a envie de servir Dieu de tout son cœur. Il est tellement content de voir Pierre, un apôtre, l'apôtre Pierre. Il est tellement content de le voir qu'il va au-devant de lui, il tombe aux pieds de Pierre. Mais mes chers amis, regardez bien ce qui se passe. La Bible dit dans Actes 10 au verset 26, « Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. »
les apôtres, les prédicateurs, les pasteurs de tout genre sont des hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Le Christ peut parler aux hommes. Le rôle du pasteur, du prêtre ou du prédicateur en tout genre, c'est simplement de présenter Christ aux personnes, mais pas d'être leur directeur de conscience. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a refusé catégoriquement qu'on se prosterne et qu'on se courbe devant lui. Donc, par conséquent, tous ceux qui sont après Pierre dans sa même lignée devraient aussi refuser cela. Il se présente comme un frère, un homme, comme les autres, qui n'a pas de prérogative particulière ou un statut particulier devant Dieu, mais seulement une mission particulière. Et la mission, c'est dire qui est Jésus et ce qu'il fait. Dans Actes 10, au verset 42, la Bible nous dit ceci. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Voilà la mission des apôtres. Simplement prêcher aux hommes, prêcher au peuple et d'attester, de témoigner que Jésus est celui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Par conséquent, chers amis, aucun homme n'a autorité pour être le directeur de conscience d'un autre, pour être le guide d'un autre. Tout ce qu'un homme peut faire, c'est présenter Jésus-Christ, inviter son semblable à accepter Jésus-Christ et respecter sa décision. Nous comprenons ici que si nous voulons éviter cette vague de séduction qui menace la terre, que Jésus a prévue, prévenu et prophétisé, il y a au moins trois attitudes à adopter. Rejeter l'idée qu'une bonne pratique religieuse n'est pas nécessaire. Deuxièmement, il faut, comme Jésus, rejeter que la tradition supplante la parole de Dieu. Et troisièmement, il nous faut refuser tout directeur de conscience. Toute personne qui vient nous dire ou nous inviter à une pratique religieuse sans une justification bibliquement établie. Chers amis, lorsque nous entendons qu'il y a une alerte pour cyclone ou autre chose, alors nous nous préparons. Jésus nous a prévenu qu'il y a un danger. Préparons-nous. Jésus nous a dit qu'il y a une déferlante de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs, de fausses églises qui vont prétendre venir en son nom. Mais quiconque vient et dit que nous sommes sauvés par un autre moyen que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, ne prêche pas la vraie parole de Dieu. Quiconque vient et nous dit que nous sommes libérés, dispensés de l'obligation de considérer et de prendre en compte les commandements de Dieu dans notre vie, ne vient pas de la part du Seigneur. Parce que la grâce de Dieu, dit la Bible, nous enseigne à nous débarrasser de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Chers amis, Christ, Jésus, est mort pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés. Il n'y a qu'un seul directeur, c'est le Christ. Cherchons-le et marchons avec lui. Je vous invite à accepter Christ et Christ seul comme votre seul directeur. Prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton éclairage, de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce collyre qu'est le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux. Nous avons besoin de ta parole comme une lampe à nos pieds pour nous aider à nous diriger. Car le monde est rempli de menaces, rempli de séductions. Aide-nous, Seigneur, à chercher ces éléments dans notre vie, à marcher comme tu as marché, à te prendre toi seul comme exemple, comme guide, à nous confesser uniquement à toi, à croire que c'est toi seul
qui est l'intercesseur, l'intermédiaire, à nous appuyer entièrement sur toi et à vivre pour toi et en toi. C'est notre vœu, notre prière. Aide-nous dans ce sens, Seigneur, car nous t'avons prié pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous n'avons pas fini d'étudier le pouvoir de l'espérance. Nous continuerons encore et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Mais vous, de votre côté, creusez, cherchez l'Éternel de tout votre cœur et il se laissera trouver par vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et en attendant que nous puissions nous retrouver pour un prochain numéro, décrochez votre téléphone et le numéro qui s'affiche, appelez-nous, prenez contact, écrivez-nous, posez vos questions et nous aurons plaisir à vous donner quelques informations afin que vous puissiez orienter vos recherches. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je rêve de la sainte cité, au-delà du ciel, où les souffrances ne seront plus. Oui, je veux y aller quand Jésus-Christ reviendra chercher les élus. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Ou
pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Je